Eerst en vooral wens ik iedereen hartelijk welkom te heten op dit webinar. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et tous à ce webinaire. Zowel de projectie van de totale bevolking als de projectie van het aantal huishoudens tot 2070 zullen hierin aan bod komen. En dit zowel op nationaal als op regionaal niveau en volgens type huishouden. Dus we spreken over alleenstaanden, gehuwden met of zonder kinderen, eenoudergezinnen enzovoort. Deze projecties zouden niet tot stand zijn gekomen zonder de samenwerking met Stadbel, waarvoor ik hen hier dan ook wens te bedanken. Comme beaucoup de le savent sans doute, ces projections démographiques sont actualisées chaque année sur la base des observations les plus récentes. Et ces projections constituent la base de diverses analyses et études réalisées par le Bureau fédéral du plan, par exemple à court et moyen terme, le budget et les perspectives économiques, et à long terme, le coût budgétaire du vieillissement, dans le cadre, entre autres, du rapport du comité d'études sur le vieillissement. Mais ces projections alimentent également les perspectives en matière de transport et d'énergie. Vandaag presenteren we jullie vooral de tendensen op lange termijn, maar we staan ook eventjes stil bij de impact op korte termijn van de gezondheidscrisis op de groei van de bevolking. De uitbraak van de coronacrisis in 2020 gebeurde toen net na het afsluiten van de demografische projecties en noopte ons tot een bijgestuurde en aangepaste demografische projectie voor de economische vooruitzichten van juni 2020. En de ene crisis is nog niet voorbij of de andere crisis, namelijk de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, breekt uit. En pech voor ons ook na het afsluiten van de demografische projecties van 2022. Met andere woorden, we zullen voor de economische vooruitzichten van juni opnieuw een update van deze projectie moeten realiseren. We kunnen wel stellen dat de gevolgen van de oorlog zich vooral op korte en middellange termijn laten voelen op de bevolkingsgroei, maar de lange termijn trends en de lange termijn resultaten die we hier vandaag aan u presenteren, zullen echter niet significant gewijzigd worden. La première partie de la présentation sera donnée par Hendrik Nevian en néerlandais et la seconde partie par Marie Vendresse en français. Comme vous avez pu le lire sur le slide, les caméras et les microphones sont éteints pour éviter tout bruit de fond, mais vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et les auteurs se feront un plaisir d'y répondre après la présentation. Voor ik het woord geef aan de auteurs, wil ik jullie alvast warm maken voor de komende twee events. Op 26 april stellen wij de transportvooruitzichten aan u voor. Dit is een webinar, dus volledig online. Le 9 mai, une conférence hybride sur l'evidence-based policy sera organisée par la en collaboration avec le SPF BOSA et en présence des ministres de Sutter et d'Hermagne et de la secrétaire d'État de Blégre. À suivre donc dans les locaux du SPF BOSA ou en ligne. Ik wens jullie nu een leerrijk uurtje toe en geef het woord aan Hendrik en vervolgens aan Marie. Hendrik, ga uw gang. Dankjewel Saskia. Ik wens jullie eveneens van harte welkom op deze webinar. Het programma van de webinar ziet er als volgt uit. Alvorens in te gaan op de projectie van het aantal huishoudens naar type van huishoudens, staan we even stil bij de bevolkingsprojectie, aangezien die toch de basis vormt. In een notendop bespreken we de projectiemethode en bekijken we ook de trends op lange termijn. We gaan ook kort in op de impact van COVID. Vervolgens vertelt mijn collega Marie u hoe we van het aantal inwoners naar het aantal huishoudens per huishoudtype gaan en licht ze de resultaten toe, zowel op nationaal als op regionaal niveau. De presentatie sluiten we af met enkele reflecties bij het gebruik van de projectieresultaten in het beleidsdebat. De presentatie duurt ongeveer 40 minuten. Voor de vragen hebben we een kwartier voorzien. Beginnen doen we dus met de bevolkingsprojectie.
De bevolkingsprojectie bepaalt de evolutie van de bevolking op lange termijn en is gebaseerd op een zuiver iteratief model. Het gaat uit van de bevolking geobserveerd op 1 januari 2021 en trekt vervolgens de overlijdens af en telt de geboorten bij. Daarbij worden ook de bewegingen binnen het land of interne migratie toegevoegd, die geen invloed hebben op de bevolking in België, maar wel op die van de gewesten en de arrondissementen. Vervolgens komen de immigraties naar het buitenland en de immigraties uit het buitenland erbij. En op die manier wordt via het model de bevolking op 31 december van 2021 bepaald, die dan de bevolking op 1 januari van het volgende jaar, 2022 hier, bepaalt. En waarna een nieuwe iteratie begint en telkens opnieuw tot 2070. We beschikken jammer genoeg niet over een glazen bol eigenlijk, die ons vertelt hoe die geboorten en overlijdens, immigraties en emigraties evolueren in de toekomst. We stellen daarom hypothesen op die in hoofdzaak gebaseerd zijn op een voortzetting van trends in een gegeven demografische en socio-economische context. In de volgende slides zullen we de belangrijkste hypothesen overlopen. We merken opnieuw op dat de projectieresultaten die we hier zullen voorstellen eind 2021 zijn afgesloten, toen van de oorlog in Oekraïne en de ermee gepaardgaande vluchtelingenstroom nog geen sprake was. Deze nieuwe ontwikkeling heeft vooral een impact op de korte en de middellange termijn. In deze presentatie focussen we echter vooral op de trends op de lange termijn. Een eerste belangrijke hypothese betreft de vruchtbaarheid, de evolutie van de vruchtbaarheid, die in deze grafiek wordt weergegeven door het gemiddeld aantal kinderen per vrouw. Dus sinds 2009, na de financiële crisis, vertoont de vruchtbaarheid een neerwaartse trend. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw daalt van 1,86 in 2008 tot 1,54 in 2020. Op de lange termijn gaan we uit van een gedeeltelijk herstel tot 1,72 kinderen per vrouw. We nemen dus aan dat onzekerheden over de toekomstige ontwikkeling van de samenleving een blijvend effect zullen hebben op het aantal door koppels gewenste kinderen. Een volgende hypothese betreft de sterftekansen per leeftijd en geslacht. Die kan worden samengevat op basis van de levensverwachting bij de geboorte. Op lange termijn verwachten we een voortzetting van de sinds 1992 waargenomen opwaartse trend in de levensverwachting, weliswaar met een zekere vertraging. De levensverwachting bij de geboorte neemt toe tot 89,8 jaar bij de vrouwen en tot 88,3 jaar bij de mannen. De trend weerspiegelt onder meer de vooruitgang in de geneeskunde, maar ook dat meer en meer mensen gezonder en in betere omstandigheden leven. Wel verwachten we dat de winst die uit die ontwikkeling wordt gehaald, dat die kleiner wordt. In zaken internationale migratiestromen verwachten we op lange termijn dat die op een hoog niveau blijven, maar wel met een beperkte groei. Het aantal immigranten uit landen buiten de Europese Unie neemt weliswaar toe, samen met de verwachte bevolkingsgroei in die landen, maar die wordt gecompenseerd door een afname van het aantal immigranten uit de nieuwe EU-lidstaten. En dat kan worden verklaard door een verwachte afname van de bevolking in die landen, maar ook door een economische inhaalbeweging in die landen, waardoor België economisch minder aantrekkelijk wordt om naar te migreren. Wat de immigratie betreft, die volgt in projectie de evolutie van de immigratie met een zekere vertraging. Ten slotte gaan we ook even in op de hypothese betreffende de interne migratie. Het betreft hier de migratie tussen de arrondissementen. De hypothesen zijn eveneens gebaseerd op trends die echter alleen geraamd worden voor een selectie van migratiestromen. Namelijk de migratiestromen die in belangrijke mate bijdragen tot de demografische evolutie in de betrokken arrondissementen. En dit zijn de stromen die hier op deze kaart worden weergegeven. Die trends worden dan op middellange termijn voortgezet. De volgende grafiek geeft het resultaat van die migratiestromen weer op het niveau van de gewesten.
toont ons per gewest de evolutie van het zogenaamd intern migratiesaldo. En dat slaat op het verschil tussen de instroom uit en de uitstroom naar de andere gewesten. Op lange termijn stellen we vast dat het intern migratiesaldo voor Brussels hoofdsteden het gewest sterk negatief is en blijft. De uitstroom naar de andere gewesten wordt dus slechts deels gecompenseerd door een instroom uit die gewesten. De situatie op lange termijn in het Vlaams en Waals gewest wordt daarentegen gekarakteriseerd door een positief intern migratiesaldo in het Vlaams gewest meer nog dan in het Waals gewest. Tot hier de hypothese. We gaan nu verder in op de projectieresultaten. Te beginnen met de resultaten op Belgisch niveau. Vertrekkende van de aangehaalde hypothese in zaken vruchtbaarheid, sterfte en internationale migratie zou het aantal inwoners in België toenemen van 11,5 miljoen in 2021 tot 12,9 miljoen in 2070 of een toename met 1,3 miljoen inwoners. Wanneer we naar het aantal bijkomende inwoners per jaar kijken, en zoals voorgesteld wordt in de rechtse grafiek, stellen we vast dat die in projectie gemiddeld met bijna de helft zou dalen in vergelijking met de afgelopen 30 jaar. Daar waren we in de periode 1992-2020 het gemiddeld aantal bijkomende inwoners per jaar en nog op 52.000 kwam, zou dit in projectie tot 2070 op 27.000 komen. De jaarlijkse bevolkingsgroei is de som van twee componenten. Een eerste component is het internationaal of extern migratiesaldo, dat het verschil geeft tussen immigratie en emigratie. En zoals we reeds eerder hebben aangegeven, stellen we vast dat die op lange termijn op een hoog niveau blijft en toch maar een beperkte groei kent. Een tweede component die erbij geteld wordt, betreft het natuurlijk saldo. Dat slaat op het verschil tussen de geboorten en overlijdens. Hier stellen we vast dat tot ongeveer begin jaren 2040 het natuurlijk saldo een positieve bijdrage levert aan de bevolkingsgroei. Dus dat de geboorten de overlijdens overtreffen, maar dan nadien dat die bijdrage negatief wordt en dus de bevolkingsgroei afremt. Algemeen stellen we vast dat in de afgelopen 20 jaar dat internationale migratie de belangrijkste motor was achter de bevolkingsgroei en dat we dit ook nog verwachten in de toekomst verwachten. Vooraleer in te gaan op de regionale projectieresultaten, zoomen we even in op de impact van COVID op de bevolkingsgroei. En zoals heel duidelijk is in de grafiek die jullie hier zien, heeft COVID een negatieve impact gehad op de bevolkingsgroei in 2020. Dus die is merkelijk zwakker. Dus in de eerste plaats door de oversterfte die het met zich meebracht, die ongeveer 14% zou bedragen. En in de tweede plaats door de negatieve impact op de migratiestromen vanwege de maatregelen die de verschillende overheidsniveaus hebben genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dus de impact van COVID op de bevolkingsgroei zou tijdelijk zijn en op de lange termijn gaan we ervan uit dat die geen impact zou hebben op de onderliggende trends in zaken vruchtbaarheid, sterfte en internationale migratie en dus ook niet op de bevolkingsgroei. Op de volgende slide geeft ons de regionale projectieresultaten. De grafieken tonen ons voor elk gewest afzonderlijk de jaarlijkse bevolkingsgroei. De verzwakking van de bevolkingsgroei die we eerder op Belgisch niveau hebben vastgesteld, stellen we ook hier op regionaal niveau vast, weliswaar in verschillende mate. De verzwakking van de jaarlijkse bevolkingsgroei komt het sterkst tot uiting in het Brussels-Hoofdstedengewest, waar het gemiddeld aantal bijkomende inwoners per jaar afneemt van 9000 in observatie tot 2000 in projectie. Die zwakke bevolkingsgroei komt minst tot uiting in het Vlaams gewest, waar het aantal bijkomende inwoners afneemt van 30.000 naar 21.000 per jaar. Het Waals gewest neemt een tussenpositie in
met een daling van 13.000 naar 4.000 inwoners gemiddeld per jaar. Deze resultaten zijn het gevolg natuurlijk van de evolutie van natuurlijk saldo en het intern en extern migratiesaldo. Voor het Waalsgewest stellen we vast dat de bevolkingsgroei in sterke mate afgeremd wordt door het natuurlijk saldo, die over de volledige horizon negatief is. Ook in het Vlaamsgewest stellen we die afremming vast. Dus ook daar remt het natuurlijk saldo de bevolkingsgroei af. Maar stellen we tegelijk vast dat de groei sterker ondersteund wordt door de interne migratie. Voor het Brussels hoofdstedelijk gewest zien we dat de positieve bijdrage van het natuurlijk saldo en het internationaal migratiesaldo bijna volledig gecompenseerd wordt door het negatief migratiesaldo, waardoor in de lange termijn op lange termijn de bevolkingsgroei dreigt stil te vallen. Tot slot kunnen we in deze presentatie niet voorbij gaan aan de vergrijzing van de bevolking, waarop reeds decennia wordt gewezen en hier tot uiting komt in een stijging van de gemiddelde leeftijd van de bevolking in België, maar ook in de regio's. Deze stijging is het gevolg van een hogere levensverwachting, dus van meer mensen die een hogere leeftijd bereiken, maar vooral ook door een generatie-effect. De babyboom-generatie doet tot ongeveer 2040 de aantallen in de oudere leeftijdscategorieën stijgen. Tot hier de bevolkingsprojectie. Ik zal nu het woord geven aan Marie, die het zal hebben over de projectie van het aantal huishoudens. Merci, Hendrik. Le temps que je partage mon écran, je me permets déjà de préciser que l'ensemble des résultats en fait, qui ont été présentés à l'instant par Hendrik sont disponibles par âge, par arrondissement et par genre. Et l'ensemble des fichiers d'ailleurs sont disponibles directement via le site web du bureau du plan. Voilà, donc maintenant je pense que, est-ce que vous voyez bien maintenant la projection, mes slides par rapport aux projections du nombre de ménages, est-ce qu'ils sont bien visibles? Oui, je vois qu'Hendrik me confirme. Donc vous allez voir la deuxième partie, comme Hendrik l'a mentionné, la deuxième partie du séminaire est consacrée à la projection du nombre de ménages. Et cette projection, elle découle en fait des perspectives de population, et c'est pour ça que ça nous paraissait important du coup de présenter, avant de présenter donc les ménages, de présenter aussi les perspectives de population, d'autant plus que certaines conséquences, en particulier le vieillissement, comme Hendrik l'a pu le montrer à l'aide de l'évolution de l'âge moyen, va aussi avoir le vieillissement de la population, va aussi avoir des répercussions au niveau de l'évolution du nombre de ménages. Alors, on va un petit peu parler méthodologie, mais de manière très, très large. Mais ça nous paraissait important quand même que vous puissiez comprendre comment fonctionne le modèle pour pouvoir, par la suite, interpréter correctement les résultats. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un ménage? La première chose à savoir, c'est qu'on va définir un ménage comme l'ensemble des personnes qui habitent sous un même toit. Et en particulier, il s'agit du domicile légal de chaque individu inscrit au registre national de la population. Alors, comme le titre le mentionnait, on réalise une projection par type de ménage. Et donc, vous voyez ici sur ce slide les différents types qui sont analysés. Il y a 8 types de ménages que je vais parcourir un à un. Donc, on a les ménages d'une personne. On a les ménages composés de couples mariés, où on fait la distinction avec ou sans enfants. De la même manière, on fait aussi une distinction au niveau des ménages qui sont composés de couples cohabitants, avec ou sans enfants. Ensuite, on a les familles monoparentales et deux autres types de ménages un petit peu plus particuliers. Donc, sont les ménages qu'on appelle de type autre, à savoir ni famille monoparentale, ni cohabitation, ni mariée, ni un ménage d'une personne.
Et enfin, on a un huitième type de ménage, mais qui par manque de temps ne sera pas abordé aujourd'hui, ce sont les ménages collectifs, principalement les individus qui sont en maison de repos et de soins, mais pas exclusivement. Alors, pour chaque type de ménage, on a bien entendu des individus qui composent ces ménages, et donc à chaque individu, on a ce qu'on appelle une position au sein du ménage. Alors, pour les ménages d'une personne, c'est assez trivial. Un ménage d'une personne est composé d'un individu qui vit seul dans un ménage. Pour les couples mariés sans enfants, là aussi, on a deux individus. Le couple, voilà, qui sont sans enfants. Par ailleurs, on a aussi pour chacun de ces types de ménages, mais on ne les a pas remis ici dans le tableau, éventuellement des autres membres du ménage. Hein. Ça peut arriver parfois dans un couple sans enfants, mais il y a aussi, par exemple, une tante qui habite ou un étudiant, etc. Et bien entendu, il doit être dans ce cas-là domicilié dans ce ménage-là. Mais par simplicité, aujourd'hui, on n'a pas intégré ces précisions. Alors, quand il s'agit de couples mariés avec enfants ou bien de cohabitants avec enfants, là, on fait la distinction pour savoir s'il s'agit de l'individu au sein du couple ou bien de l'enfant au sein de ce ménage. Pareil pour les familles monoparentales. Dans ce cadre-là, soit on a le chef ou la chef de famille monoparentale et puis les enfants au sein de la famille monoparentale. Pour les ménages de type autre, ben là, c'est les membres qui ont une position, qui font partie d'un ménage de type autre. Alors, au niveau de la méthodologie, on va, pour simplifier de manière assez large, on va supposer qu'il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est de partir de la projection de population. Alors ici, Henri vous a présenté les résultats au niveau national et régional et sans distinction au niveau des âges. Mais donc là, on va bien, pour réaliser la projection de population au niveau des ménages, travailler toujours par arrondissement, par genre et par groupe d'âge. Et donc on prend ces chiffres-là de population et puis on va répartir en fait chaque individu. On va leur attribuer une position au sein des ménages. Alors, au niveau de la population, c'est simple, on a comme c'est exogène, on va dire, on a les perspectives de population. Maintenant, ces perspectives de population, on va appliquer ce qu'on appelle un taux d'appartenance à une position au sein du ménage, ce qui correspond en fait à une proportion d'individus qui sont dans telle ou telle position. Par exemple, à 25 ans, en Belgique, on a X% de femmes qui sont dans la catégorie chef de famille monoparentale. Ou bien à 10 ans, on a X% d'enfants qui sont dans la catégorie qui sont ménages au sein d'un couple marié. Donc, on va appliquer à la population par âge, arrondissement et genre des proportions pour avoir au final une population par position au sein du ménage. Alors, ces proportions, elles vont pas rester constantes en projection. Par contre, on a ces proportions, on peut les calculer sur base des observations. On a les observations depuis 1992 et dans le slide suivant, je vous montrerai quelle est l'hypothèse qui est retenue en fait par rapport à ces taux d'appartenance à une position au sein du ménage. Mais avant ça, il nous reste quand même un point important avant de présenter les résultats, c'est qu'une fois qu'on a la population par position, on doit arriver à un nombre de ménages par type de ménage. Et là, l'exercice est aussi assez simple quand on généralise les choses, mais c'est qu'en fait, le nombre de ménages d'une personne, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre d'individus qui sont dans un ménage d'une personne. Par contre, le nombre de ménages mariés avec ou sans enfants, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre d'individus mariés avec ou sans enfants qu'on va diviser par deux. Okay, donc c'est le couple finalement qu'on va diviser par deux. Comme ça, on obtient le nombre de ménages. Donc l'exercice là, il est pareil que ce soit pour les mariés ou les cohabitants. Pour le nombre de familles monoparentales, là on va prendre le nombre de chefs de famille monoparentales. Et pour obtenir le nombre de ménages de type autre,
Là, on a en fait voilà x milliers d'individus qui sont dans un ménage de type autre. Ben là, on va regarder quelle est la taille moyenne de ces ménages en observation. Et comme cette taille moyenne est relativement constante dans le temps, ben on suppose qu'en projection aussi, cette taille moyenne va rester constante. Et donc, on va diviser le nombre d'individus qui sont dans un ménage de type autre par la taille moyenne. Alors, pour revenir sur les taux d'appartenance à une position, ce qui est effectivement l'hypothèse principale pour la réalisation des perspectives de ménage, on va vous présenter ça à l'aide d'un seul graphique. Vous avez ici les taux, hein, donc la proportion, on va dire, par position au sein du ménage en Belgique et seulement pour les femmes de 25 ans. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est que ici, sur la ligne en bleu, vous voyez la proportion des... Donc, 5% hein, des femmes en Belgique à 25 ans ben, sont chefs de famille monoparentale. Et on voit que cette évolution est relativement constante jusqu'en 2000 et puis qu'elle diminue. De la même manière, on voit que la proportion de femmes mariées à 25 ans a drastiquement diminué depuis 1992. Et donc, en projection, finalement, qu'est-ce qu'on suppose? On va supposer la poursuite des tendances observées. Alors, quand on veut estimer cette tendance observée, ben, on pourrait très bien partir de 1992. Ici, on a fait un choix à nouveau méthodologique d'estimer les tendances à partir des années 2000. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez là, dans l'ensemble, dans la suite du graphique, en fait, c'est qu'en fait, on poursuit les tendances qui sont observées depuis le début des années 2000, mais on n'introduit pas une tendance linéaire, hein, on va introduire un certain effet de saturation à long terme. Donc, vous voyez que progressivement, ici, par exemple, pour les femmes de 25 ans, ben, la proportion de femmes de 25 ans mariées en Belgique, elle continue à diminuer, comme on peut l'observer, mais non pas de manière linéaire, de manière beaucoup plus progressive. Je vous montre aussi une autre illustration pour mettre en évidence l'importance de réaliser ce genre d'exercice et d'estimation par âge et par genre. Vous avez ici dans le graphique les taux d'appartenance à la position chef de famille monoparentale. Donc, ce sont des proportions. On fait la distinction entre les hommes et les femmes. Vous voyez dans le graphique de gauche, vous avez les hommes. Donc, vous voyez les proportions d'hommes qui sont chefs de famille monoparentale par âge. Alors, on voit que c'est surtout, voilà, la proportion la plus élevée se tourne autour de, tournée en 2000, voilà, autour de 45 ans, avec une proportion de 2,5-3% d'hommes qui sont chefs de famille monoparentale. Donc ça, vous pouvez voir comment bien lire le graphique. Pareil pour les femmes. Ici, vous avez les âges. Et puis, ici, les proportions. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Et du coup, l'intérêt hein, de chaque fois faire la distinction entre les genres et aussi les âges. Donc, deux choses. Bah, on voit déjà que les niveaux sont extrêmement différents selon le genre. Donc, la proportion des chefs de famille monoparentales est beaucoup plus faible chez les hommes que chez les femmes. Hein. On est actuellement plus ou moins à 17-18% de femmes autour de, voilà, entre 40 et 45 ans qui sont chefs de famille monoparentales, alors que chez les hommes, on arrive à des niveaux beaucoup plus faibles. Donc, un, les niveaux sont différents. Deux, on voit aussi que si on projette les tendances, ben les tendances évoluent à des rythmes différents. On voit que l'augmentation de la proportion des femmes qui sont chefs de famille monoparentale est beaucoup plus rapide que ce n'est le cas pour les hommes. Donc ça, c'était voilà, deux graphiques pour montrer l'importance de travailler, ou en tout cas de faire les estimations, non pas au niveau national, sans distinction d'âge, de genre et de sexe, parce qu'on a des comportements sociologiques qui sont différents selon les arrondissements, selon les âges et selon les genres. Alors, on va passer maintenant aux résultats, d'abord au niveau national, et puis pour garder la même structure en fait, qui a été présentée pour les projections de population, dans le deuxième temps, on passera à des résultats au niveau régional.
Tout comme la population, on voit que le nombre de ménages en Belgique va augmenter, hein. Par rapport à 2021, on aurait une augmentation de 800 000 ménages à l'horizon 2070. Mais un message qui, voilà, ce chiffre peut paraître important, mais ce qui est sans doute encore plus intéressant à mettre en évidence au niveau des perspectives de ménage, c'est que l'augmentation ou la croissance du nombre de ménages est plus rapide, plus dynamique que la croissance de la population. On l'a représenté ici en mettant en fait, en utilisant un indice, donc on suppose qu'en 1992, qu'il y a 100 individus, 100 ménages, ce qui permet de mettre un petit peu l'échelle à même niveau. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que par rapport à 1992, on a une augmentation de la population de 28%, alors que les ménages augmente de 44% à l'horizon 2070. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer ça? On peut l'expliquer en analysant en fait l'évolution des ménages par type de ménage. C'est ce que vous avez ici dans le graphique. Donc, vous voyez depuis 1992 jusqu'en 2070 l'évolution du nombre de ménages par type de ménage, donc les ménages d'une personne, les ménages mariés sans ou avec enfants, les familles monoparentales, les ménages cohabitant avec ou sans enfants et enfin les ménages de type autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en particulier? Mais en fait, c'est qu'on a une augmentation importante et encore plus importante aussi dans les années futures et certainement dans les 20 à 30 prochaines années, c'est une augmentation du nombre de ménages d'une personne. Et ça s'explique par quoi? Ça s'explique par le vieillissement de la population et en particulier aussi l'impact du baby boom. On parle maintenant du papy boom, c'est que le baby boom arrive à des âges 65 ans et plus, 80 ans et plus, et ce sont des âges où on a des proportions ou des risques plus élevés de vivre dans un ménage d'une personne. Et donc, ça explique en grande partie le fait qu'on a une croissance des ménages qui est plus dynamique que la croissance de la population. Un autre élément aussi à mettre en évidence à travers ce graphique, c'est qu'on constate qu'en fait, qu'on poursuit par hypothèse l'évolution de notre société, à savoir qu'on a une hausse de la cohabitation et aussi une hausse des divorces et une hausse des familles monoparentales. Et donc, on a aussi une baisse des ménages qu'on dit mariés, donc composés de couples mariés. Donc, ces évolutions-là, elles sont vraiment, et ça c'est un choix au niveau de l'hypothèse, et c'est aussi un choix, et on y reviendra plus tard, quand on fait des projections de population ou de ménage, mais même au-delà aussi, au niveau des diverses projections faites au bureau du plan à long terme, c'est qu'on poursuit les tendances observées, ce qu'on peut parfois appeler comme apolitique inchangée. Alors ici, dans le cadre de la démographie, on ne parle pas tellement de politique, mais en fait, c'est vraiment la poursuite des tendances actuelles. Une autre évolution qui est aussi intéressante à mettre en évidence, c'est que, et je l'ai d'ailleurs mentionné, on a une baisse de la proportion, en termes de proportion, on a de moins en moins de gens qui se marient et davantage de cohabitation. Et ici, quand on regarde le nombre absolu de ménages mariés sans enfants, on voit que c'est relativement constant. Et donc, certains sont parfois étonnés de dire « Tiens, on a de moins en moins de mariages », et pourtant, ce chiffre reste quand même constant. En fait, ce qui s'explique ici, c'est qu'on a de nouveau un effet de structure de la population, à savoir que cette évolution constante, ou relativement constante, en nombre absolu, s'explique par la génération baby-boom, qui à l'heure actuelle a atteint des âges où les enfants ont quitté le domicile familial, et ce sont des individus aussi qui sont dans des générations où le mariage était encore relativement important. Et donc, cette évolution s'explique parce qu'on a beaucoup d'individus de 65 ans et plus qui sont encore mariés et pour qui les enfants ont déjà quitté le ménage pour construire un autre ménage. Alors, on peut aussi synthétiser les résultats de la projection des ménages par type de ménage à l'aide de la répartition en fait, du nombre de ménages par type. Qu'est-ce qu'on peut voir? Premier élément, c'est qu'actuellement, on est plus ou moins à 35% des ménages en Belgique qui sont composés d'un ménage d'une personne.
et cette proportion arrive à 40% à l'horizon 2070, donc 4 ménages sur 10 en 2070 qui seront composés d'un ménage d'une personne. On constate aussi que la proportion des ménages cohabitants avec ou sans enfants augmente également. Donc ça, ça s'explique aussi par l'évolution des nouvelles formes de vie commune. Et on a en compensation, bien entendu, une diminution de la proportion des ménages composés de couples mariés avec ou sans enfants. Donc il s'agit bien ici de proportions et pas de nombre absolu. Alors, ça c'était les résultats principaux au niveau de la Belgique. Maintenant, tout comme pour les perspectives de population, on a des différences régionales et vous verrez que, à nouveau, Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est quand même une région, c'est une région avec qui est davantage aussi une grande ville, avec bien entendu une grande ville internationale, et on verra que ça. Du coup, aussi, Bruxelles a des évolutions qui sont sensiblement différentes par rapport à la Belgique dans son ensemble ou aux deux autres régions. Donc, là, les deux régions, région wallonne, région flamande, ont en fait, dans les grandes lignes, les mêmes tendances que ce qu'on a pu expliquer pour la Belgique, à savoir un rythme de croissance au niveau des ménages qui est plus important que la croissance de la population. Et qui s'explique par quoi ? Par le vieillissement de la population dans ces deux régions, et donc une augmentation sensible des ménages d'une personne et des ménages d'une personne de plus de 70, 80, 85 ans. Bruxelles, l'évolution est même légèrement différente, et surtout au-delà de 2050, où là, on a une croissance de la population qui va être un petit peu plus dynamique en termes relatifs que la croissance du nombre de ménages. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Bruxelles, de par son caractère attractif à la fois au niveau international, mais aussi au niveau national, attire beaucoup de jeunes et de jeunes actifs. Donc soit pour le marché du travail, mais aussi des jeunes qui viennent d'abord étudier en Belgique ou même des autres régions qui viennent dans les universités à Bruxelles. Et donc Bruxelles est composée beaucoup plus d'une population jeune. Et donc on n'a pas l'impact du vieillissement de manière aussi prononcée qu'on peut le constater dans les deux autres régions. Et cette structure de population qui est différente amène aussi à une évolution différente au niveau des types de ménages. Donc vous le voyez ici dans le graphique, vous avez l'évolution du nombre de ménages d'une personne à Bruxelles. Donc vous voyez qu'elle est constante, voire même légèrement à la baisse à l'horizon 2070. Alors qu'est-ce qui se singularise par rapport aux deux autres régions et la Belgique? Qu'ici, il s'agit en fait de ménage d'une personne, mais non pas de personnes âgées liées à la génération baby-boom, mais ce sont des jeunes actifs. Et donc, on n'a pas cet effet vieillissement de la population comme on l'observe dans les deux autres régions. Alors, pour synthétiser aussi, c'est l'évolution donc, des ménages, il y a un indicateur, on va dire, assez général qui montre et qui explique aussi pourquoi l'évolution de la croissance des ménages pour la Belgique et la région wallonne et la région flamande est plus rapide que la croissance de la population, mais c'est qu'on a en fait pour la Belgique, la Flandre et la Wallonie une diminution de la taille moyenne des ménages, diminution qui s'explique en grande partie par le vieillissement de la population. À l'inverse, Bruxelles a une augmentation de la taille moyenne des ménages et surtout à partir de, ça a été observé en fait depuis 1992, puis on voit que ça se stabilise entre 2020 et 2040 pour Bruxelles. En fait là, c'est un effet du vieillissement de la population quand même à Bruxelles, donc qui freine cette augmentation de la taille moyenne des ménages. Et puis en 2040, on voit que ça repart à la hausse. Pourquoi? Mais c'est parce que on a progressivement une extinction complète, en fait, à partir de 2040, de la génération du baby boom. Alors, on vous a présenté l'évolution de la population et ensuite l'évolution du nombre de ménages.
Et souvent, quand on présente ces résultats, on nous dit ces résultats sont super intéressants, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, voilà, on a souvent 13, hein, en 2070, on s'attend à 13 millions d'habitants, 6 millions de ménages. Ben, certains vont dire « et moi, et moi, et moi », s'ils ont la chanson de Jacques Dutronc en tête. Ici, on va dire « et alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» Et c'est ce qu'on va essayer de répondre voilà, dans les 5 dernières minutes pour essayer de laisser le temps aux questions. Mais ça nous paraissait quand même, avant de répondre, enfin de présenter différents enjeux, important aussi de mettre le cadre de ces projections. Donc il s'agit bien de projections et pas de prévisions. Alors pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que quand on parle de prévisions, c'est qu'on va y attribuer en général une probabilité de réussite, voire même la plus grande probabilité de réussite. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'on va faire dans une projection? Une projection, en fait, on va poursuivre les tendances actuelles dans un contexte qui est donné. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, l'idée, c'est après de mettre en avant les conséquences, que ce soit des conséquences économiques, sociétales ou sociales, voire même environnementales, ces conséquences à long terme, mais toujours dans ce même contexte, on va dire, actuel. Après, se pose des questions, mais là, entre guillemets, ce n'est plus le rôle du bureau du plan de répondre à ces questions, mais différentes questions peuvent être posées. Est-ce que cette trajectoire est souhaitable? Oui ou non? Est-ce qu'on peut modifier cette trajectoire? Alors, si oui, comment est-ce qu'on peut la modifier? Sinon, comment gérer les conséquences? Alors, typiquement, le vieillissement de la population, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrer. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va gérer les conséquences du vieillissement de la population. Et donc là, ce sont des choix de société, des choix, bien entendu, aussi politiques. Et nous, ce qu'on souhaite à travers nos projections, en fait, c'est qu'on souhaite faire des projections de qualité pour que, et certainement une projection, selon nous, est de qualité si elle est utile à la décision. Une projection ne veut pas être de qualité, certainement pas à long terme, si voilà, l'objectif n'est pas de donner le chiffre exact du nombre d'habitants en 2070. L'objectif est vraiment de fournir des tendances pour pouvoir prendre une décision ou ouvrir le débat sur les enjeux futurs. Alors, quels sont ces enjeux? Voilà quelques exemples au niveau de la population. Bien entendu, et d'ailleurs Saskia l'a dit en introduction, donc ces projections de population sont utilisées pour analyser le coût budgétaire du vieillissement, mais aussi sont une des variables explicatives dans les modèles de projection au niveau de la consommation de l'énergie, hein, toutes choses étant égales par ailleurs. Plus il y a de ménages, plus il y a d'individus, plus il y a de consommation d'énergie, mais aussi au niveau de la demande de transport. Donc, les perspectives de population sont aussi un input pour les perspectives de transport. Il y a toute la question aussi liée au marché du travail, les projections de population, et en particulier au niveau des âges actifs, donc entre 15 et 65 ans ou 67 ans, ben, sont utilisés pour tout ce qui concerne les perspectives aussi à court et moyen terme, mais aussi à long terme sur le marché du travail. Et là, intervient aussi la migration internationale, parce que les migrants, en général, ont l'âge, ont la grande proportion des migrants sont entre 20 et 45 ans, donc en âge d'intégrer le marché du travail. Une autre question aussi en lien avec le nombre d'individus, là on passe à la petite enfance, et en lien du coup avec les hypothèses sur le nombre moyen d'enfants par femme, c'est tout ce qui concerne l'évolution de la population en âge de scolarité, et aussi au niveau du budget, les implications au niveau des allocations familiales. Donc voilà quelques exemples aussi dans lesquels les projections de population sont utilisées pour analyser des conséquences sociales, sociétales, environnementales. Maintenant, au niveau des ménages, ben là aussi, il y a des conséquences plus spécifiques liées aux ménages. Tout d'abord, il y a une chose, c'est qu'on a, bien entendu, on ne reste pas dans une position au sein du ménage pendant toute sa vie. On a des modes de vie qui évoluent en fonction de nos parcours de vie. Donc d'abord, on est enfant dans un type de ménage et puis on va quitter ce ménage, on va créer un nouveau ménage, on peut éventuellement se séparer, recomposer, etc. Et puis on arrive à un ménage au moment en fin de vie, éventuellement seul
ou bien dans un ménage collectif. Donc la question se pose, et en plus, on sait que le Belge a une brique dans le ventre et qu'il reste en général bien dans son logement. Est-ce qu'il faut penser à davantage de mobilité résidentielle qui corresponde mieux finalement à l'évolution de nos modes de vie communes? Un autre impact, vieillissement de la population, on ne l'a pas abordé ici, mais si ce vieillissement de la population, toute chose égale par ailleurs, va générer une augmentation importante d'individus dans les maisons de repos et de soins. Alors, est-ce qu'on souhaite ça, oui ou non? De nouveau, c'est des questions qui sont liées, qui sont à gérer par la société et par le politique. Et dans ce cadre-là, les questions, c'est est-ce qu'on a assez de maisons de repos et de soins si on souhaite que les individus continuent à aller dans les maisons de repos et de soins? Ou bien est-ce qu'on souhaite davantage développer des soins à domicile, voire développer des quartiers ou des logements intergénérationnels? Voilà, ça c'est encore pour ouvrir le débat sur l'intérêt de projection de population et de ménage. On a aussi la question des familles monoparentales, où on constate actuellement qu'on a de plus en plus de familles monoparentales, et ça va se poursuivre dans le futur. Et certaines observations montrent que le risque, par exemple, de pauvreté est plus élevé au sein des familles monoparentales. Et aussi la question de la taille du logement dans les familles monoparentales, voire dans la cohabitation, où on a des tailles de ménage qui finalement varient parfois de semaine en semaine, parce que les enfants vont une fois chez le papa, une fois chez la maman. Et donc, toutes ces questions aussi liées à nos nouvelles formes de vie commune. Alors, c'était des données. Ici, on vous a donné quelques ouvertures en fait, pour ouvrir le débat sur après l'utilité de ces projections. Ce qui nous paraît important comme conclusion, d'ailleurs, c'est de mettre en avant qu'ici, on a une projection de population et de ménage, mais que cette projection, c'est un des outils pour l'aide à la décision. Voilà, ici, on arrive au bout de notre présentation. On va passer à la séance de questions-réponses encore pendant une dizaine de minutes. Donc, Hendrik, je ne sais pas si Hendrik va sans doute prendre le relais, et puis moi, je vais en même temps aussi parcourir les questions. Prima, ja. Dus, er zijn een viertal vragen gekomen. Dus ik zal ze nu overlopen. Dus een eerste vraag is denk ik gewoon een verduidelijkingsvraag die wordt gesteld. Om terug te komen op de slide over de vergrijzing. Ik weet niet, Marie, of jij de PowerPoint wordt nog gedeeld, denk ik. Hè? Ja. Om terug te komen op de slide met de gemiddelde leeftijd. Dus dat is slide nummer 20. Ja. Zo doen, voilà. Zien jullie nog mijn scherm of nog niet? Ja, ja. Ja. Wacht, ja. Zo? Voilà. Ja, ja. Dat is de slide. Dus daar was de vraag wat er op de i-as stond. En eigenlijk is dat gewoon de tijd eigenlijk. Dus je kreeg dan, op deze grafiek kreeg je gewoon de evolutie van de gemiddelde leeftijd van de bevolking. En voor België, als ook voor de gewesten eigenlijk. Hè, waarmee we met die stijgende gemiddelde leeftijd de vergrijzing willen aangeven. Dus dan een volgende vraag die werd gesteld pour Marie, hè, zoals ze wordt gepreciseerd. Comment classe-t-on les familles séparées avec garde alternée? Oui, alors ici, justement, je l'ai abordé tout à la fin, mais donc, comme je l'ai précisé au début de ma présentation, on se base sur les statistiques du registre national et donc la domiciliation légale. Et donc, on a effectivement tout ce qui est garde partagée, on ne peut pas l'intégrer dans le modèle. On a, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'au niveau des familles monoparentales, on voit que ce sont surtout les femmes. La proportion de chefs de famille monoparentale est beaucoup plus élevée chez les femmes, parce qu'en général, le domicile légal des enfants, c'est chez la mère. Et donc, c'est pour ça que je l'ai précisé à la fin. Il y a toute cette question aussi que nous, on fournit une projection du nombre de ménages.
C'est basé sur le domicile légal et que donc effectivement tout ce qui est garde alternée n'est pas pris en compte dans nos projections et que donc si on veut à un moment appliquer ou utiliser nos projections de ménage pour faire un lien avec le logement, cette question de la garde alternée doit être analysée par ailleurs et de se dire que il y a certainement pas mal d'hommes finalement qui sont dans nos projections comme étant des individus peut-être de 40 ans qui sont dans un ménage de type seul, mais qui, une semaine sur deux ou une fois tous les 15 jours, doivent pouvoir accueillir chez eux les enfants. Ok. Une volgende vraag die gesteld wordt is met betrekking tot de projectie van de huishoudens of de gerealiseerde projecties ook al in het verleden vergeleken zijn geweest met de observaties. Oui. Donc c'est vrai que l'exercice de finalement faire ce qu'on appelle une analyse ex post hein, de nos projections, donc voir un petit peu si nos projections se sont réalisées. Alors au niveau de la population, c'est un exercice qu'on aime bien faire, certainement à court terme, pour voir un petit peu où se trouve l'erreur de projection pour voir où est-ce qu'on peut éventuellement améliorer le modèle. C'est certainement important à court terme parce qu'ici on a mis l'accent sur le long terme ou sur le long terme, on veut avoir des tendances. Hein. À court terme, c'est sûr que là, on tend parfois un peu plus à vouloir faire de la prévision parce que c'est aussi utilisé dans des modèles de court et moyen terme. Et donc là, on essaye. D'ailleurs, chaque année, quand on reçoit une nouvelle observation, on va regarder quelle était l'erreur par rapport à notre première année projetée à l'exercice précédent. Au niveau des ménages, on n'a jamais fait d'analyse systématique, mais c'est quelque chose qu'effectivement, on pourrait faire. Au niveau du modèle de ménage, par ailleurs, on a décidé dans les prochains mois de travailler et de développer encore plus ce modèle. Et donc, pour pouvoir développer un modèle, c'est toujours intéressant aussi de faire cette analyse ex post pour pouvoir voir, ça donne des pistes en fait pour améliorer les modèles. Maintenant, comme je l'ai dit aussi, il y a toujours ce dilemme entre le fait qu'à long terme, on ne fait pas de la prévision. Et donc finalement, oui, faire une analyse ex post, c'est extrêmement intéressant pour comprendre les différences. Mais à nouveau, ça ne veut pas dire que le modèle est bon ou pas bon si l'erreur est petite ou grande. D'ailleurs, parfois, on arrive à un très bon résultat, très peu de différence entre la projection et l'observation au niveau de la population. Mais par contre, on s'est tout à fait trompé au niveau de l'évolution, par exemple, de l'immigration. Et donc, il y a des effets qui se compensent. Et voilà, on pense qu'au niveau du chiffre national, on est bon. Mais en fait, on a fait des erreurs qui se sont compensées en dessous. Donc, exercice intéressant, mais attention à l'utilisation de ce genre d'exercice. Une volgende vraag, ook in het Frans opgesteld. Est-ce la jeunesse de la région Bruxelles-Capitale pourrait s'expliquer par un taux de turnover de la population bruxelloise élevé? Par exemple, les jeunes ont là une propension à s'installer dans la capitale et les actifs non actifs âgés cherchent à habiter en dehors de la capitale. Savez-vous s'il y a un taux de turnover élevé au sein de la région Bruxelles-Capitale? Oui, alors ce qui se passe au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, c'est qu'effectivement, Bruxelles-Capitale attire souvent des jeunes. Et d'ailleurs, le solde migratoire, hein, Henrik vous a montré que le solde migratoire de la région, migratoire interne, je précise, de la région bruxelloise est négatif. Donc plus de gens qui quittent Bruxelles que de gens qui rentrent. Mais ceux qui rentrent à Bruxelles, ce sont des jeunes jusqu'à 25 ans. Et donc là, au niveau des jeunes, on a effectivement, Bruxelles attire plus de jeunes que de jeunes qui s'en vont. Et en fait, ceux qui s'en vont, en général, ce sont les jeunes ménages. Donc voilà, les jeunes qui sont seuls ou qui veulent avoir un travail, ils vont venir à Bruxelles. Puis une fois qu'ils sont installés, qu'ils fondent une famille, ils vont en général s'éloigner de Bruxelles pour pouvoir profiter d'environnements plus verts ou plus, voilà,
plus souhaitable pour vivre avec une famille. Donc ça, effectivement, on l'observe. Maintenant aussi, le caractère jeune de Bruxelles est lié aussi à son attrait au niveau international, qui attire énormément de jeunes travailleurs. Daarnaast is er nog een vraag met betrekking tot de kaart die we hebben voorgesteld met betrekking tot de interne migraties. Misschien kunnen we die eens tonen. Ja. Ja, voilà. Ja. Voilà. Dus daar wordt de vraag gesteld van kijk, wordt de vaststelling gemaakt dat in de provincie Luxemburg worden er geen pijltjes, er zijn geen pijltjes, er zijn geen migratiestromen, zo lijkt het wel. Maar die kaart, zal ik antwoorden op de vraag, die kaart wil enkel tonen eigenlijk voor welke migratiestromen eigenlijk de trend wordt voortgezet. En het gaat meer bepaald om die migratiestromen die een belangrijke bijdrage leveren tot de demografische evolutie in de betrokken arrondissementen. Dus alleen die worden hier op deze kaart aangegeven, wat niet wil zeggen dat er geen migratie plaatsvindt in de provincie Luxemburg en dat daar geen rekening mee wordt gehouden. Misschien wil Marie nog iets aanvullen. C'est tout à fait correct, Hendrik. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails par rapport, voilà, tous les documents méthodologiques sont disponibles, soit par mail, soit sur le site. Mais effectivement, au niveau des arrondissements, on fait des hypothèses spécifiques pour les arrondissements dont la croissance démographique est fortement influencée par les migrations internes. Et donc, il y a des méthodes, on a introduit une méthode statistique pour détecter en fait ces différents arrondissements. Et puis, une fois qu'on a l'arrondissement, de déterminer de où viennent les flux, soit entrants, soit sortants. Et la carte ici montre effectivement, comme l'a dit Hendrik, les flux principaux en termes de migration interne en Belgique et qui ont une modélisation des hypothèses un petit peu plus spécifiques dans notre modèle de projection. Mais bien entendu, il y a entre chaque arrondissement, il y a des flux. Oui. Mais ce n'est pas possible d'avoir une modélisation précise pour l'ensemble des flux pour chaque arrondissement parce qu'on a un manque d'observation dans certains cas. Okay. Je pense, Hendrik, il est midi. Oui, ok. Je pense qu'on doit respecter, on nous a demandé de bien respecter le timing. Par contre, s'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu, ben, on y répondra par mail certainement. Donc voilà, je crois qu'ici, on peut conclure en vous remerciant toutes et tous, bedankt aan iedereen. Et on espère vous voir nombreux dans les prochains événements qui auront lieu hein, le 26 mars au niveau des perspectives de transport et le 9 mai dans le cadre d'une conférence organisée sur l'analyse d'impact des politiques publiques. Donc merci à tous au nom du bureau du plan pour votre participation et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas encore à revenir vers nous par mail. Hendrik et moi-même serons disposés à y répondre.